Très chers élèves, bonjour. Je te rappelle que cette année, tu as au programme le texte argumentatif. Pour argumenter, donner ton opinion, ton avis, tu seras amené à employer des verbes d'opinion et des expressions d'opinion. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette séance. Les verbes et les expressions d'opinion. Des adolescents donnent leur avis sur l'environnement. Voyons ce qu'ils pensent. Je pense que tout le monde s'intéresse au problème de la pollution. Êtes-vous de mon avis En effet, il me semble que beaucoup de gens ont pris conscience de la nécessité de protéger l'environnement. Oui, tu as raison, je crois que ça commence à bouger. Quelles sont les expressions qui introduisent l'avis de chacun des trois adolescents Tu les as certainement trouvées, je pense. Mon avis Il me semble. Je crois. Qu'expriment ces expressions Elles expriment l'opinion, le point de vue, l'avis de celui qui parle. En voici d'autres. Je suis convaincue que nous aimons tous l'air des montagnes. Je doute que nous soyons tous conscients des dangers du réchauffement climatique. D'après moi, la sensibilisation à la protection de l'environnement devrait commencer dès l'école primaire. Je trouve que la vie à la campagne est plus saine. Tu devras te souvenir que pour exprimer une opinion, un point de vue, un avis, on peut employer des verbes tels que je pense, je crois, il semble ou il me semble. On peut également employer des expressions comme à mon avis, selon moi, d'après moi. Cher élève, je te fais remarquer qu'on peut exprimer la certitude quand on est sûr de ce que l'on avance, qu'on peut également exprimer l'incertitude. Quand on n'est pas sûr, on n'est pas certain de ce que l'on avance. Voyons cela dans les exemples qui suivent. J'affirme que la vie à la campagne est plus saine. Je suis sûr que nous aimons tous l'air des montagnes. Je ne crois pas que nous soyons tous conscients des dangers du réchauffement climatique. Dans quelle phrase exprime-t-on la certitude Et dans quelle phrase exprime-t-on l'incertitude Tu l'as certainement trouvé. Dans la première et dans la deuxième phrase, on exprime la certitude avec ⁇ J'affirme ⁇ Je suis sûr ⁇ Et dans la troisième phrase, c'est l'expression de l'incertitude avec ⁇ Je ne crois pas ⁇ Retiens donc que pour exprimer la certitude, une opinion certaine, on emploie ⁇ J'affirme ⁇ J'ai la certitude ⁇ Je suis sûr ⁇ il y a d'autres verbes, bien entendu. Et que pour exprimer l'incertitude, une opinion incertaine, on emploie il semble que ou il me semble que, il paraît, je doute, je ne pense pas, je ne crois pas. À toi de jouer maintenant. Dans cet exercice, tu devras relever l'expression de l'opinion. Relève les expressions de l'opinion dans les phrases suivantes. Première phrase. À mon avis, tu devrais arrêter de fumer. Tu l'as certainement trouvé, l'expression est À mon avis. Deuxième phrase. Penses-tu que notre planète est en danger Et la réponse est Pense. Phrase suivante. Je suppose que tu connais les dangers de la cigarette. Et l'expression est suppose. D'après les défenseurs de la nature, devenir écocitoyen sauverait notre planète. Et l'expression est d'après. Phrase suivante. Il me semble que le temps va s'éclaircir. Et tu as certainement répondu Il me semble que. À présent, faisons un autre exercice. Et la consigne dit Complète les phrases avec les verbes d'opinion suivants Douter, S'imaginer, Penser, Reconnaître. Première phrase. Je, que tu as fait un excellent travail. Et tu devras introduire le verbe reconnaître en le mettant au présent. Je reconnais que tu as fait un excellent travail. Phrase suivante. Vous, qu'il a raison de se comporter si mal Et la réponse est. Pensez-vous qu'il a raison de se comporter si mal Troisième phrase. Les policiers, que le témoin ait dit la vérité. Et tu as certainement, certainement mis, les policiers doutent que le témoin ait dit la vérité. Mes parents, qu'obtenir de bons résultats n'est pas difficile. Et tu as certainement mis le verbe s'imaginer au présent. Mes parents s'imaginent qu'obtenir de bons résultats n'est pas difficile. Voyons maintenant un autre exercice. La consigne dit, Transforme l'expression de l'opinion exprimant la certitude par celle exprimant l'incertitude à l'aide de ⁇ je doute ⁇⁇⁇ Il paraît ⁇ je ne pense pas ⁇ il est probable. Première phrase. Je suis sûr que notre camarade arrivera premier à cette course. Et tu devras donc donner l'incertitude. À titre d'exemple, je doute que notre camarade arrive premier à cette course. Deuxième phrase. Je pense que les jeunes sont les seuls utilisateurs de textos. En exprimant l'incertitude, tu as certainement trouvé Je ne pense pas que les jeunes soient les seuls utilisateurs de textos. Certains affirment que la sensibilisation sur le tabagisme est insuffisante. En introduisant l'incertitude, tu auras Il est probable que la sensibilisation sur le tabagisme soit insuffisante. Une autre phrase encore ⁇ Je crois qu'il va encore neiger ⁇ Avec l'incertitude ⁇ Il paraît qu'il va encore neiger ⁇ Faisons un exercice supplémentaire. La consigne dit ⁇ Réponds aux questions suivantes en employant une expression de l'opinion. Les gens se sentent-ils tous concernés par la protection de notre environnement À titre d'exemple, on peut donner cette réponse. Toi, tu en as certainement une autre. Selon moi, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés par la protection de notre environnement. Deuxième question. Pour encourager les gens à la protection de l'environnement, que devrait-on faire Pour encourager les gens à la protection de l'environnement, il me semble que l'on devrait sensibiliser beaucoup plus la population. Que devraient faire les estivants avant de quitter la plage? Et tu répondras certainement D'après moi, ils devraient la laisser propre. Faisons un dernier exercice. Des adolescents proposent des solutions pour améliorer leur niveau en langue française. Voyons ce qu'ils pensent. Complète les bulles en employant les expressions de l'opinion. Alors, l'un des adolescents dit pose la question suivante Comment améliorer notre niveau en langue française À mon avis, il faut beaucoup lire des romans, des bandes dessinées, des revues. D'après moi, on devrait suivre des émissions en langue française. Moi, je trouve que la pièce de théâtre est un bon moyen pour libérer l'expression. Je suis sûr que la chanson favorise l'expression et améliore la prononciation. Je suis aussi convaincue que certains jeux comme le Scrabble, les mots croisés par exemple, améliorent le niveau de langue. Moi je pense qu'il faut correspondre avec quelqu'un qui parle français pour pratiquer la langue. Tu as certainement une autre opinion, toi. Exprime-la autour de toi. Le cours d'aujourd'hui est à présent terminé. J'espère que tu as été attentif et que tu en as retenu l'essentiel. Je te donne rendez-vous à une prochaine séance. À bientôt.